Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast créatif. Moi c'est Audrey, je suis designer tricot et ceci est un podcast principalement dédié à mes créations en art du fil. Merci énormément de me retrouver pour ce nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. J'ai un épisode avec beaucoup de choses à vous montrer et quelques petites annonces. Donc je vais commencer tout de suite avec une grosse annonce qui est que au moment où vous regardez cet épisode, c'est mon anniversaire. Oui, waouh! Et du coup, comme chaque année, j'organise une semaine de promotion sur mes patrons. Donc, il s'agit d'une promotion de moins 29% avec le code 29. Vous avez moins 29% sur tous mes patrons auto-publiés sur Ravelry. Donc, c'est tous mes modèles, sauf un, qui sont achetables sur Ravelry. Un qui est publié par Queens & Co, donc ce n'est pas moi qui le gère. Mais vous avez en description un lien qui vous mène vers la liste des patrons que j'ai publié moi-même sur Ravelry. Donc que ce soit des vieux patrons ou des plus récents, ils sont tous valides pour la promotion. Donc c'est une promotion qui fonctionnera jusqu'à mardi prochain, donc le 8 au soir. Et c'est une promotion que vous pouvez utiliser plusieurs fois aussi. Donc voilà, il ne s'agit pas de de vous décider tout de suite. Mais si vous aviez l'œil sur un de mes modèles que vous avez envie de faire, eh bien c'est l'occasion de l'avoir à un prix un peu plus accessible. C'est la seule promotion que je fais annuellement qui court sur tous mes modèles en fait. Donc voilà, j'espère que ça vous fera plaisir et je sais que certains attendent chaque année le 1er juin pour prendre les modèles qu'ils ont repérés. Donc voilà. Et j'ai d'autres jolies choses à vous montrer en rapport puisque j'ai de nouveaux modèles à vous présenter et un en cours et également un projet terminé. Voilà, donc des choses assez bizarrement éclectiques, mais j'espère que ça va vous plaire. Donc vous pouvez trouver tous les temps des différentes sections du podcast dans la description sous la vidéo YouTube. Donc si vous voulez sauter un passage ou retrouver un projet en particulier, n'hésitez pas à regarder ça. Je mets aussi tous les liens vers tout ce dont je parle, que ce soit les laines et les patrons utilisés, et vous trouvez tout ça en description. Voilà. Je vais commencer avec un tout nouveau modèle et il s'agit donc de mon modèle anniversaire. Chaque année, j'essaie de sortir un modèle au 1er juin, jour de mon anniversaire, pour lancer un petit peu cette période de promotion. Et cette année, il s'agit du gilet Ninon que je porte. Donc c'est un style de vêtement que je porte beaucoup en été et j'avais depuis un bon moment, je vais tomber, voilà, j'avais depuis un bon moment envie de me créer un modèle exactement comme ça, c'est-à-dire un gilet hyper souple, hyper aérien en tout en dentelle. Voilà, donc c'est un gros gilet à épaules tombantes avec l'encolure très resserrée dans le cou. Donc c'est cette forme de gilet-ci qui est à manches courtes et larges, donc qui est porté en été, voilà, par-dessus, j'ai une combinaison en lin ici, mais voilà, par-dessus des robes, des petits t-shirts, ce genre de choses. Et voilà, donc il se commence par le dos, je vais l'enlever pour vous montrer, il se commence par le dos. Ici, vous montez les mailles du dos. Vous ne voyez pas, c'est un plan très bizarre. Vous montez les mailles du dos ici. Et on tricote tout le panneau du dos dans cette dentelle. Voilà. Qui est la même dentelle que vous trouvez dans mon modèle de chaussettes Orzan, qui sont des petites chaussettes en dentelle. Donc c'est voilà, c'est le même panneau de dentelle. Quand on arrive en bas des emmanchures, on va juste rajouter une petite maille ici sur les côtés du dos qui sera glissée. Voilà. Une fois qu'on a fini le panneau du dos, on termine par des côtes torses. Puis, on vient relever les mailles sur la ligne d'épaule ici et tricoter les devants. Pareil dans le motif de dentelle. On tricote les deux devants. Une fois qu'on a atteint la hauteur d'emmanchure, on va monter des mailles supplémentaires qui, ici pour ma taille, sont devenues ces côtes torses. Ici,
on tricote jusqu'en bas du devant, on finit en cotorse également. Puis, on fait une couture sur les côtés ici, donc une toute petite couture ici. Vous aviez des mailles glissées de part et d'autre, ce qui rend beaucoup plus simple une couture toute droite, toute simple, avec un point de matelas. Vous avez des tutoriels qui sont liés à chaque fois dans le patron, donc voilà, tout vous est bien expliqué. Puis, une fois qu'on a cousu nos côtés, on relève des mailles pour les manches pour faire cette petite finition en côte-torse. Et on relève des mailles également le long de l'encolure, où vous aviez une maille glissée aussi, pour faire une toute petite finition en côte-torse sur l'encolure. Et donc si je vous le montre comme ça, vous voyez un petit peu mieux de quelle forme de gilet il s'agit. C'est un gilet à pans qui a une encolure très très rapprochée sur la nuque. Voilà. Donc tricoter du haut vers le bas à plat. Vous avez une solution alternative. Si vous n'aimez pas relever des mailles ici, vous pouvez tout à fait les monter provisoirement et ensuite faire un rabat à trois aiguilles. Certains de mes testeurs ont essayé. Généralement, les gens préféraient relever des mailles puisque c'était un petit peu plus lisible sur de la dentelle. Mais voilà, rien de compliqué. Je suis très 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 contente de ce modèle puisque c'est un projet qui me tient vraiment à cœur. C'est vraiment le type de vêtement que j'aime énormément. Et je suis super contente parce que au cours du test, j'avais un peu peur en fait que ce soit un petit peu difficile à appréhender, mais au cours du test j'ai eu des retours tout à fait différents, des gens qui étaient pas forcément très expérimentés en dentelle, en relevage de mailles, etc. et qui s'en sont super bien sortis. Voilà, tout au cours du test, au début j'attendais, je ne comprenais pas pourquoi je n'avais pas de retour de gens qui avaient des difficultés, jusque un moment où j'ai demandé à quelques testeurs et qui m'ont répondu « Mais non, en fait, tout va très bien, c'est très simple. » Donc je suis vraiment, vraiment contente du travail qu'on a fait sur ce modèle. Donc c'est une construction qui est hyper simple, qui est du coup facile à modifier, hein, que ce soit en termes de hauteur. Vous pouvez tout à fait faire une emmanchure plus classique, hein, si vous voulez une forme normale. Parmi mes testeurs, quelqu'un a fait des manches longues, donc c'est quelque chose, ça rend hyper bien. Elle a simplement fait une emmanchure un petit peu plus classique, disons, parce que là c'est très très bas, hein, vous voyez, un petit peu plus classique, et elle a fait des manches en jersey. Et ça rend vraiment très très bien, donc si vous voulez un gilet plus demi-saison, voire à porter en hiver s'il fait pas trop froid chez vous, parce que c'est quand même de la dentelle, eh bien c'est tout à fait possible, et elle l'a fait dans un très joli noir, je vois beaucoup de tricots de dentelle noire en ce moment. Ça me travaille, ça me travaille, même si tricoter du noir, faut vraiment le faire eh bien quand le soleil se décide à venir, n'est-ce pas? Ce qui n'a pas l'air d'être prévu en ce moment. Mais j'ai l'habitude, il fait jamais beau le 1er juin, je vous le dis, hein, il fait jamais beau le jour de mon anniversaire, donc vous savez très bien que le 1er juin, il fera pas beau. Voilà, donc c'est très très modifiable en termes de hauteur. La forme du gilet fait que vous voyez, en fait, ça vous forme une petite courbe ici, avec les pans du devant qui se croisent, qui sont un peu enveloppants. C'est pas une forme qui se prête facilement aux ajustements poitrine. Donc si vous avez souvent les pans qui remontent trop sur des gilets de cette forme-là, ce que je vous conseille, c'est de faire attention. D'une part, à la taille que vous choisissez, il faut qu'il y ait quand même beaucoup d'aisance, comme ça vous avez suffisamment de matière. Et d'autre part, au fil que vous choisissez, il faut vraiment prendre quelque chose qui a un beau tombé, qui drape bien, donc que ce soit du lin, comme ce que j'ai utilisé, ou si vous utilisez une fibre animale, des mérinos très mous, voire les mélanges alpaga, tout ça, ça peut très bien fonctionner, des mélanges avec de la soie, ce genre de choses. Mais voilà, l'idée c'est que ça tombe bien, donc c'est un projet qui se tricote avec pas mal d'aisance pour cette raison. Et comme je vous l'ai dit, sur la finition ici en côte-torse, il faut faire un rabat vraiment très très élastique, vous vous en doutez. Mais certains de mes testeurs ont préféré ne pas la faire tout simplement. Et comme on a une bordure en maille glissée, ça reste tout de même très très propre et ça ne rebique pas du tout. Et donc ça rend vraiment bien. Donc si vous voulez pas faire la finition... c'est tout aussi bien.
Mais voilà, donc comme je vous dis, pas mal de possibilités de le modifier, même si on dirait que c'est un projet qui est assez carré. Au final, pas tant que ça, puisque la construction est très simple. Je vous donne juste des mesures à atteindre, donc vous faites comme vous voulez. Au niveau de la dentelle, donc c'est une dentelle qui est très simple, c'est des jetées et des diminutions. Voilà, je vous la montre un petit peu plus près. Voilà, c'est des jetées et des diminutions simples, il n'y a rien de compliqué. En plus, comme vous voyez, vous avez des motifs très. Donc ça, c'est une répétition de dentelle. Vous voyez, donc c'est assez court. Et entre chaque type de motif, vous avez une maille en verre. Donc en fait, en plaçant des marqueurs pour suivre la dentelle, ce qui vous est indiqué dans le patron, et en vous repérant avec cette maille en verre, vous avez que une toute petite, je crois que c'est 8 mailles, c'est même pas 10 mailles, à suivre. Et vous avez ce point de repère, ce qui fait que c'est hyper simple à suivre. Vous avez une grille par partie du corps et par taille. Donc vous avez vraiment une grille dédiée à chaque étape qui est hyper simple à suivre. Et vous avez également des instructions écrites. Voilà, je me suis embêtée à retranscrire les instructions. Donc comme avec toutes les grilles et tout ça, ça aurait fait un patron très long. Les instructions écrites sont dans un fichier à part. Donc quand vous achetez le modèle, vous avez plusieurs fichiers, hein. Le fichier principal avec les instructions et les grilles, et vous avez un fichier qui s'appelle Ninon instructions écrites, si vous préférez suivre les instructions écrites. Et encore une fois, là aussi, c'est par taille, par partie du corps. Donc voilà, donc c'était pas mal de boulot un peu administratif pour rendre le modèle plus simple à tricoter. Et comme je vous dis, je suis vraiment super contente que ça ait aussi bien fonctionné puisque je ne m'y attendais pas. Voilà, donc j'espère vraiment qu'il vous plaît. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà, donc ce sont des épaules tombantes, mais de taille à taille, ça ne tombe pas très très différemment. Voilà, ce qui était un petit peu compliqué à grader. Mais voilà, c'est ce genre de coupe. Et vous avez sur le côté donc les côtes torses sur le côté et la couture qui est ici. Voilà, j'ai une de mes testeuses qui a pas fait la couture, qui a rejoint en rond après les emmanchures et qui s'est amusée à suivre du coup trois gros diagrammes à la fois. Ça se fait, ça se fait, mais je le conseille plutôt si vous êtes vraiment à l'aise avec les lectures de diagrammes. Et si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, faites la couture qui est toute petite. Et je vous ai mis un tutoriel qui facilite vraiment la chose. Voilà. Pour ce qui est des fils à utiliser, moi j'ai utilisé du lin, du 100% lin, puisque je voulais du coup un gilet estival. Donc il s'agit de Antigone de Dererum Natura, donc qui est une épaisseur type sport dans le coloris violine. Et ça montre vraiment très très joliment la dentelle. Moi, vous le savez, j'aime beaucoup beaucoup le lin. Voilà, c'est un très beau drapé, c'est aérien, c'est voilà, c'est hyper agréable à porter. Ça tiendra pas du tout chaud. En fait, c'est ça que j'aime bien dans ce type de vêtements, c'est que ça permet d'avoir un ornement, si vous voulez, en plus là, avec la dentelle et tout, sans nous tenir chaud en fait. Donc voilà, donc parfois je suis un petit peu triste quand j'ai trop chaud en été parce que littéralement je ne peux rien porter. Je veux juste vraiment le minimum d'un petit débardeur, le minimum de tissu pour ne pas mourir de chaud. Mais du coup, les tenues peuvent être un peu tristes. Alors qu'avec ce genre de gilet, bah, il n'y a pas de souci parce que l'air circule totalement. Totalement, totalement. Et voilà, donc comme je vous l'ai dit, forcément en lin, c'est très très bien, ça rend vraiment joli. L'échantillon s'accommode tout à fait de fil fingering aussi, si c'est ce que vous préférez. J'ai des testeurs qui ont utilisé des mélanges coton-laine, ça fonctionne très bien. Et vous pouvez aussi, comme je vous le dis, tout à fait le tricoter avec une fibre animale si vous n'aimez pas les fibres végétales. Donc, mais privilégiez plutôt, voilà, des fils un peu mous avec du drapé. Je pense qu'il fonctionnerait bien. Vous savez, pas mal de teinturiers ont ce mélange baby alpaga, cachemire, soie. Je pense que pour une fois, c'est un vêtement qui s'y prête très bien.
puisque voilà, il faut vraiment qu'il y ait du drapé, que ça tombe, tout ça. Et vu que on a quand même une structure avec des fausses coutures aux épaules, des coutures sur les côtés, ça rajoute de la structure. Et donc voilà, c'est un peu cet équilibre entre joli tombé, mais quand même, faut que ça se tienne. Voilà, donc j'espère que Ninon vous plaît. Comme je vous l'ai dit, il est maintenant disponible sur toutes mes boutiques de patrons, que ce soit Ravelry, Payip, etc. Et donc, il fait partie de la promotion anniversaire. Donc, il est à moins 29% aussi pendant une semaine, donc jusqu'au mardi 8 juin. Hein, c'est bien le 8, hein? Oui, c'est bien le 8. Jusqu'au mardi 8 juin inclus. Et voilà, et je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je ne veux faire que de la dentelle, des modèles d'été en dentelle. C'est tout ce que je veux faire en ce moment. Ça, et des châles... oh, il pleut. Et des châles qui mélangent 20 milliards de textures. C'est tout ce que j'ai envie de tricoter en ce moment. Sauf que bah, il faut bien que je continue à travailler et à... prévoir des modèles pour cet automne, et du coup bah il faut que je fasse des torsades que j'adore, hein, mais mais si ça tenait qu'à moi là pendant 6 mois, je ferais que des modèles comme ça. Ça ne tient qu'à moi, hein, pourquoi en plus je fais comme si c'était pas le cas, ça ne tient qu'à moi, mais voilà, j'aime bien un peu de variété, mais là je suis complètement dans cet esprit de dentelle en lin, voilà. Comme je sais qu'on va me le demander, c'est une combinaison en lin d'une marque, si vous la trouvez sur Etsy, pas mal de gens la connaissent, c'est la marque Not Perfect Linen, donc le lin non parfait. C'est une famille en Lituanie qui coud des vêtements en lin, donc ils ont beaucoup de robes à des formes différentes, des t-shirts, des pantalons, des shorts, tout ça, et notamment des combinaisons que j'aime énormément puisque c'est les seules combinaisons qui me vont. Bon, c'est pas les seules combinaisons qui me vont, mais disons que j'ai très 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 souvent un problème de taille puisque j'ai deux tailles et demie, trois tailles de différence entre le haut du corps et le bas du corps, et du coup pour tout ce qui est robes et combinaisons c'est un peu compliqué. Et cette marque, le type de coupe qu'ils font, ça correspond à ma morphologie. Et en plus, ils sont très accommodants au niveau des tailles. C'est-à-dire que par exemple, si vous commandez une robe qui a... souvent, il y a un empiècement à la ceinture pour séparer le haut du bas. Vous pouvez tout à fait leur demander, bah, je veux le haut dans cette taille, mais le bas dans cette taille. Et ils le font sans souci. Et ils sont... voilà. C'est un certain prix, hein, c'est des vêtements faits main, mais c'est pas non plus excessif pour ce type de vêtements. Donc voilà, je sais qu'on va me le demander parce qu'à chaque fois que je montre ces combinaisons, on me demande. J'en ai deux, j'ai celle-ci et j'en ai une qui a des manches courtes. Et il me semble qu'ils en font avec des manches longues, avec des types de pantalons différents. Bref, ils ont plein de modèles. Si vous aimez les vêtements en lin pour l'été, et si vous avez un petit budget, ça... dépasse pas 100 € en général une pièce, enfin c'est autour de 100 € une pièce, moins quand c'est des coupes simples, mais voilà, c'est une marque que j'aime bien, tout simplement. Je vous mettrai je vous rappelle le nom en bas parce que comme du coup c'est un nom anglais, je sais que ça peut être compliqué de comprendre quand je l'énonce. Et voilà, donc c'est tout pour Ninon, j'espère vraiment, vraiment qu'il va vous plaire. Moi j'en suis très très fière et très contente, et oui. Je vous encourage à aller voir les versions de mes testeurs parce qu'ils les portent et ils ont fait tous des versions un petit peu différentes. Ça peut vous donner un petit peu d'inspiration pour savoir si c'est quelque chose qui fonctionnerait dans votre garde-robe. Voilà, on continue avec les sorties de patrons. C'est l'épisode promo. Il y a un autre modèle que je dois vous présenter, que vous n'avez pas vu puisque c'était un projet un peu secret. Il y a quelques mois, j'ai été contactée par Le Chat qui tricote, qui est une boutique de laine à Aix-en-Provence, et Aurélia de la Pelote Vagabonde, donc Camille du Chat qui tricote et Aurélia de la Pelote Vagabonde, qui est une teinturière française qui teint beaucoup beaucoup de coloris à speckles. Voilà, sa spécialité c'est vraiment de faire plusieurs speckles,
Elle a une immense gamme de coloris différents. Et elles m'ont contacté toutes les deux puisque elles souhaitaient faire un projet en collaboration avec leurs deux filles. Et donc c'était le week-end dernier dans la boutique du Chat qui tricote à Aix-en-Provence. J'en avais parlé un petit peu sur les réseaux. Vous aviez un petit événement, les nœuds où la pelote vagabonde est venue faire une sorte de petit salon dans la boutique du Chat qui tricote et où je sais si vous y êtes allé. Si quelqu'un regarde cette vidéo et si vous y êtes allé, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, comment c'était. Je suis un petit peu jalouse, mais voilà. Et donc elle souhaitait créer un projet en collaboration pour avoir un petit kit à montrer lors de ce petit salon. Rien que toutes les deux. Enfin pas rien que toutes les deux, mais disons ce mini événement les nœuds. Et elle souhaitait partir sur un châle, ou je sais plus qui voulait faire un châle, bref, ça doit être moi, hein, parce que je. En tout cas, ce qu'elle voulait, c'est utiliser un écheveau, enfin une couleur de la pelote vagabonde et une couleur du Chat qui tricote, puisque Camille teint aussi sa propre gamme de laine. Et je trouvais ça très très intéressant. Moi, j'aime beaucoup quand dans le monde des arts créatifs en général et du tricot, les concurrents entre guillemets, voilà, ne vivent pas dans une bulle, et j'aime bien associer les talents des uns et des autres, et je trouvais ça super chouette de faire un kit, un projet avec deux teinturiers différents. Et du coup, je leur ai proposé un châle, puisque dans le délai imparti, c'était ce qui correspondait le mieux. Et on a créé le châle Myrène, qui est disponible du coup depuis quelques jours sur Ravelry, etc. Et il est également, si vous êtes de la région d'Aix en Provence et que vous pouvez aller chez le Chat qui tricote, vous pouvez directement demander à Camille de vous l'acheter via sa boutique. Voilà. Et donc, c'est un châle qui se tricote en laine fingering. On a choisi leur base Merino Superwash pour garder quelque chose de assez basique et simple, et que ce soit accessible à tout le monde en termes de matière. Donc c'est un triangle asymétrique. Est-ce qu'il a mon pompon et se rebelle? Ah, terrible ça. C'est un triangle asymétrique, comme vous le voyez, qui se commence par cette pointe ici. Et donc on commence par un motif texturé de mailles glissées et de points mousse, que j'aime beaucoup. Donc vous avez d'un côté une bordure point mousse high cord ici, et de l'autre vous avez cette bordure qui augmente continuellement jusqu'à la fin du châle. Et donc ici je commence avec le coloris de la pelote vagabonde, qui est sel rose de l'Himalaya, c'est dur à dire, qui est un très joli, alors la luminosité est pas top mais ça va. Donc c'est un écru, une base écrue avec des speckles roses, ocre, très 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 discret, c'est très joli. Ce que j'aime bien dans le travail d'Aurélia, c'est qu'elle fait vraiment en fait la plupart de ses coloris, vous avez une base, par exemple une base, je sais pas, écrue, et les speckles que vous allez avoir dessus, ils vont pas être trop contrastés. Voilà, par exemple, quand elle a une base rose, elle va pas trop faire de speckles bleu fluo. Voilà, c'est pas... c'est ce qui est très rigolo, hein, y a pas de souci. Mais je trouve que la particularité des coloris de la pelote vagabonde que moi je connais et que j'aime beaucoup, c'est que il y a un très 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 joli travail délicat de speckles et de variations, mais qui reste subtil. En fait, les coloris sont un peu ton sur ton, disons que ça reste dans le même esprit. Et donc là, ça se prête très bien à cette texture. Ensuite, on passe à une autre section. Donc, je voulais un châle qui soit sympa à tricoter, où on s'amuse, où on change de texture, que ce soit pas compliqué, mais qu'il y ait quand même des choses intéressantes. Et d'après les retours de mes testeurs, c'est pas mal, donc je suis contente. Nous avons un petit peu de mosaïque ici. Vous voyez ces petits motifs de... Je ne sais pas ce que j'ai fait. On dirait des fourches.
Voilà, donc le châle fourchette. Donc la mosaïque, si vous ne savez pas, c'est une technique qui consiste en fait à glisser des mailles. Hein, donc c'est des mailles glissées de l'autre côté. On prend une couleur à la fois, on tricote des mailles et on en glisse d'autres. Et au final, on forme du coup un motif comme ceci. C'est une façon de faire du jacquard qui est un peu plus facile à manipuler, mais qui a moins d'aisance dans la tension, disons. Je trouve que du jacquard classique, parce que c'est pas du tout la même manipulation. Donc il faut rester assez souple quand vous faites cette section, mais l'échantillon va naturellement se resserrer. C'est fait exprès pour la mosaïque, en fait. Le fait de glisser des mailles, ça resserre un petit peu le tricot, et c'est ce qui permet au motif de ressortir. Voilà. Donc là, avec la forme du châle qui augmente toujours d'un côté, en fait, ça compense. Donc faut pas vous inquiéter par rapport à la tension des fils, juste bah, vous ne tirez pas, et vous voyez un petit peu comment mes fils courent sur l'arrière. Il faut qu'ils soient à plat, et qu'on puisse quand même tirer dessus, mais voilà. C'est tout. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre petite mosaïque, qui est très simple et tout expliqué dans le patron, hein, vous avez des instructions pour toutes les différentes techniques, notamment il y a tout un paragraphe sur comment tricoter la mosaïque. C'est très simple. J'avais principalement des débutants en mosaïque, je sais pas si quelqu'un dans mes testeurs en avait déjà fait, il me semble pas, peut-être, mais en tout cas j'ai beaucoup eu de retours de gens qui n'avaient jamais fait de mosaïque et qui s'en sont sortis sans souci. Là encore un cas où j'ai écrit les instructions de mosaïque et je me suis dit bon, je vais voir s'ils s'en sortent et sinon je viendrai à la rescousse et on arrangera tout ça. Et au final, personne n'est venu me crier dessus et je me demandais un petit peu ce qui se passait, mais au final ce qui se passait c'est que tout allait bien. Voilà. Enfin, un peu, je me jette des fleurs, mais pas tellement. C'est juste que parfois, quand on explique une... Je sais pas ce que j'ai avec ma frange aujourd'hui, hein, je suis désolée, je fais que me l'arranger. Parfois, quand on explique une technique, surtout une technique que nous, on connaît un petit peu et qu'on a fait de différentes façons, réécrire des instructions et des indications qui soient exhaustives et qui parlent à tout le monde, y compris à quelqu'un qui n'aurait jamais fait du tout cette technique... Bah forcément, je ne compte pas sur ma propre capacité à me relire et à être sûre que ce soit clair. Du coup, il y a toujours le doute pendant le test de il y a peut-être une formulation qui est bizarre, quelque chose qui pourrait bénéficier soit d'une vidéo, soit où clairement j'ai dit quelque chose où j'ai utilisé des mots qui sont clairs pour moi, mais en fait, ça ne va pas du tout dans, disons, la compréhension collective, c'est ça. Et du coup, le test, ça permet vraiment d'avoir une sorte de validation d'un collectif, et parfois ça marche, et parfois ça marche pas. Mais là, en l'occurrence, ça marche, donc ça fait plaisir. et je suis contente d'avoir qu'on ait réussi à avoir quelque chose de clair. Une fois qu'on a fait cette fameuse mosaïque, je dis vague, on passe à un motif de dentelle, qui là aussi est un motif qui est plutôt simple puisqu'il est géométrique, vous voyez ça forme des petits triangles. Donc vous avez des lignes ici de points mousse avec des jetés, puis vous avez ces petits triangles qui se forment avec d'un côté du jersey et une diminution centrale et des cotorses. Voilà, donc c'est une dentelle qui est plutôt simple, vous avez pareil des repères géométriques en fait. Hein. Une fois que vous avez commencé à faire vos triangles, bah vous voyez où sont vos triangles. Donc c'était un petit peu l'esprit du châle, c'était d'avoir quelque chose qui soit fun, intéressant à tricoter. Voilà, c'est pas juste du point mousse, c'est pas juste du jersey, mais on n'a pas non plus besoin d'avoir le nez sur le diagramme. En fait, on regarde le début du diagramme et une fois que le rythme est pris. Et donc c'est une dentelle qui est très très simple. Et ensuite, ben on recommence. On prend les mêmes et on recommence. Donc avec la mosaïque et la dentelle, j'ai introduit le coloris du chat qui tricote, que vous voyez bien ici dans le motif de point mousse et mailles glissées du début. Donc il s'agit du coloris Terre de Sienne. C'est un très beau caramel clair.
qui est bien nuancé, mais en même temps qui reflète très 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 joliment la lumière. Et donc vous voyez, voilà, avec Camille et Aurélia, on a pas mal hésité sur les coloris, et au final, elles ont eu un très très bon œil parce que les deux se marient vraiment très 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 bien. C'est un châle qui se prête à avoir un contraste plutôt doux. Donc si vous avez des fils qui sont plus variés même que ce que moi j'ai, ça fonctionnera quand même pas mal. Ce que vous voyez, c'est l'idée, c'est d'avoir quelque chose de léger, de délicat. Voilà, je voulais un châle un peu texturé et qui reste élégant. Donc on a repris le motif point mousse et maille glissée. On le refait dans les deux coloris. Et enfin, la bordure avec notre ami la mosaïque. Et ensuite, le motif de dentelle que l'on répète jusqu'à la fin. Voilà. Et on termine par un rabat en I-cord. Donc ça vous fait une belle bordure en dentelle à la fin du châle. Et moi j'ai rajouté des pompons, ce que j'avais envie, qui sont facultatifs. D'ailleurs sur les photos du modèle vous voyez la version sans pompons et la version avec pompons. Parce que j'ai voulu prendre des photos avant de mettre les pompons pour vous montrer quand même la possibilité sans pompons. Voilà. Voilà voilà, donc il s'agit du châle Myrène. Comme je vous le dis, est déjà disponible sur Ravelry et Payip, et qui est aussi à moins 29% avec la promotion anniversaire et le code 29. Parce que oui, j'ai 29 ans et pas 12, comme certaines personnes semblent le penser. Non, c'est amusant parce que parfois je reçois des messages de certaines d'entre vous. Qui me disent je pourrais être ta mère, mais vous n'avez pas 40 ans. Et du coup, quand après je vous demande quel âge vous avez, parce que je me méfie du coup, voilà, j'ai eu le cas où quelqu'un m'a dit je pourrais être ta mère, et la dame en question avait, la personne avait 38 ans. Techniquement oui, mais c'est fort peu probable. Je sais que je fais encore plus jeune que ce que je ne le suis. Mais voilà, donc c'est le code 29 qui marche surtout, y compris sur ces deux nouveaux modèles qui, je l'espère, vont vous plaire. Un petit châle délicat, voilà, en collaboration avec, comme je vous le dis, le chat qui tricote et la pelote vagabonde, donc qui m'avaient envoyé leur fil pour ce projet. Et donc vous pouvez avoir le patron, soit individuellement le prendre chez moi, soit le prendre... Il y a le chat qui tricote qui peut vous faire... vous savez que si vous allez... J'en ai jamais parlé, je crois. Alors, c'est pas toutes les boutiques, il faut que les boutiques l'aient mis en place. Mais généralement, vos boutiques et vos merceries, elles ont un système où elles peuvent acheter pour vous des modèles sur Ravelry. Donc, c'est un moyen de les soutenir aussi parce que du coup, elles gardent une partie importante du prix du patron. Voilà, donc quand vous êtes dans la boutique, si vous achetez de la laine pour tel ou tel patron et que vous n'avez pas encore acheté le patron, vous avez la possibilité de demander à la boutique de l'acheter pour vous. Et eux, ils ont un système où ils vont sur Ravelry et où ils peuvent acheter le patron. Et ils gardent 40%, je crois, du prix du modèle. Je sais pas exactement combien ils gardent. En tout cas, moi, j'ai que 60% du prix du patron, ce qui est pas beaucoup. Mais ça permet quand même de soutenir un petit peu les boutiques et les merceries si vous avez envie. Voilà, donc vous décidez qui vous voulez soutenir. En vrai, quand vous faites ça, ça soutient les deux personnes, à la fois le designer et la boutique de laine, et c'est vraiment vraiment sympa comme système. Donc n'hésitez pas à demander à savoir si vos boutiques de laine et mercerie le font. Ça peut être une possibilité. Mais voilà, pour Myrène, qui s'appelle Myrène, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Ninon. Hein. Ninon, c'est un prénom que j'aime beaucoup depuis assez longtemps. Je trouve ça mignon et puis ça me fait rire parce qu'il y a nom dedans et puis voilà. Il n'en faut pas grand chose. Hein. Et Myrène parce que donc du coup c'est un vieux prénom. Et je sais pas, je trouvais que ça allait bien avec la délicatesse du châle et de la dentelle qui est tout froissé en bas parce que c'est pas faute d'avoir essayé de le plier. Mais voilà, donc il est pas hyper grand, hein, mais il est quand même, voilà, dépasse mes bras. Donc il faut deux écheveaux de fingering,
400 mètres, hein, pas les échevaux à... ici. Pas les échevaux à 360, vous n'aurez pas assez de coloris pour la dentelle. Voilà. Superbe association. Mais voilà, vous voyez un petit peu comment il se porte si vous le mettez façon un petit peu sèche, comme ceci. Il est quand même assez profond parce que la laine s'est bien étalée et la dentelle qui est vraiment très très chouette. Et voilà, moi ce que j'aimais beaucoup c'est cette transition mosaïque dentelle. C'est pas évident d'introduire des textures et des jeux de couleurs sans que ce soit vraiment très 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 flagrant, très voyant, très géométrique ou très très figuratif. Là, je voulais quelque chose d'assez léger, mais qui est quand même l'intérêt du tricot, et je suis assez contente du résultat. Voilà. J'espère qu'il vous plaira également. Et voilà, c'est deux petits modèles qui sont sortis de manière très rapprochée autour de mon anniversaire. Donc voilà. Pour petite collection fin de printemps, début été, s'il te plaît, le soleil. Voilà, donc c'est tout pour les modèles que j'avais à vous présenter. Et je vais passer à un autre projet que j'ai terminé. C'est un projet que j'ai tricoté en test pour un autre designer. Je ne sais pas si le modèle est sorti. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le test est fini, mais je ne sais pas la date de sortie, je ne sais plus si elle a dit qu'elle le sortait à la fin du test ou plus tard. Mais dans tous les cas, s'il est sorti, je vous le mettrai en description, et sinon je vous mettrai le nom de la designer. Il s'agit d'un test pour Joan Ho, donc c'est Joan, J-O-A-N, tiré du bas, H-O, sur Instagram, qui est une designer, je pense qu'elle est américaine, qui fait pas mal de tricots, qui est jeune et qui fait pas mal de tricots, des petits crop tops, des petites brassières, des choses comme ça, des choses généralement texturées et hyper chouettes, soit avec vraiment des torsades et des grosses nobs, ce genre de choses, soit avec de la dentelle. Et j'aime bien ce qu'elle fait, je trouve ça très chouette, et j'avais envie depuis un moment d'essayer de me tricoter une brassière pour la porter par-dessous certaines robes ou certains hauts que j'ai estivaux, ou certaines combinaisons. Alors pas celle-là, mais j'ai des combinaisons ou des salopettes par exemple, où il faut quelque chose dessous en fait. Voilà. Et généralement je mets un t-shirt ou un débardeur, mais j'avais envie parce que j'en ai qui sont mi-couvrantes en fait. Voilà, j'ai des certaines combinaisons et salopettes et robes qui... Il faut quelque chose dessous, mais c'est pas obligé que ce soit complètement un t-shirt complet, quoi. Donc j'avais envie de me tricoter des brassières pour essayer. Et quand j'ai vu celle qu'elle proposait en test, j'ai craqué. Et je sais pas ce que j'ai en ce moment, je fais un autre test en ce moment. J'ai envie de tester, je sais pas pourquoi. J'ai envie de tester des modèles estivaux d'autres créateurs. C'est juste que c'est très très bien tombé parce que je suis tombée sur deux appels au test quasi en même temps. Deux modèles auxquels je pensais. En fait, je me dis, ah, il faudrait que j'aimerais bien me tricoter un truc comme ça. Que vois-je à l'instant T sur Instagram, un appel au test pour un modèle exactement comme ce que j'avais en tête. Notamment, cette brassière, alors qui va être un peu compliquée à montrer, parce que je ne vais pas la mettre. Mais vous avez des photos portées. Normalement, j'ai déjà posté sur Instagram des photos portées, sinon elles sont sur ma page Projet Ravelry, si vous voulez voir ce que ça donne. Et donc, il s'agit de la brassière Leila, donc qui est une brassière avec un motif de dentelle que vous voyez ici. Donc, c'est un motif qui est assez rigolo et qui est tout simple à faire. En fait, vous avez un double jeté au centre et deux diminutions de chaque côté, et ça fait cet effet un petit peu texturé sur les côtés, alors que c'est juste des diminutions. Parce qu'il y a une maille croisée aussi sur l'envers, donc c'est très simple à faire, c'est très très sympa. Et elle est aussi dans le dos. Voilà. Donc vous montez les mailles. Alors, il y a eu quelques soucis de taille. Elle a
hyper bien repris le patron et vous avez toute une sélection. Pourquoi mon nez est rouge ? Vous avez toute une sélection sur le choix de la taille dans le patron et notamment sur la possibilité de modifier. En fait, la construction est très très simple et donc il est tout à fait possible de monter un certain nombre de mailles puis pour tricoter les bonnets en fait, hein, les deux triangles, de passer à une autre taille. Moi j'ai tricoté la taille 2 et en fait j'aurais pu tricoter la taille 1 voire moins que la taille 1 pour le bas et ensuite passer à la taille 1 ou 2 sur les bonnets. Il vaut mieux partir sur votre mesure de sous-poitrine en fait. Voilà, parce que c'est ça qui doit être plus ajusté. Donc j'avais d'abord tricoté la taille 2. Donc j'ai monté un nombre de mailles, il n'y avait pas d'augmentation ni rien du tout. On tricote les côtes torses et ensuite on passe au corps qu'on tricote en rond. Puis on rabat le dos et on tricote chaque bonnet séparément avant de faire les bretelles. Et ensuite d'aller les coudre dans le dos, voilà. Et donc moi j'avais juste suivi les instructions de la taille 2, telle qu'elle, et du coup c'était au niveau des bonnets, ça va, j'aurais pu avoir plus d'aisance négative, ça se met sans aisance du tout, en fait, à ce niveau-là, au niveau de ma poitrine, ça se met sans aisance, mais par contre les côtes torses étaient trop lâches, et en fait j'ai 14 cm de différence entre mon tour de poitrine et mon tour de sous-poitrine. Je ne sais pas si c'est censé être beaucoup, mais le fait est que les côtes étaient vraiment beaucoup trop lâches. Du coup, j'ai demandé à la designer si je pouvais faire de la chirurgie et les enlever et les retricoter dans l'autre sens. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de souci. Et c'est à ce moment-là, du coup, que on a vu qu'elle avait qu'elle était en train de tout refaire et qu'elle nous a envoyé le nouveau descriptif de taille, où du coup, effectivement, quand vous choisissez votre taille pour ce modèle, basez-vous sur la mesure sous-poitrine d'abord. Du coup, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relevé mes mailles ici, j'ai coupé et arraché mes anciennes côtes torses, ce qui est un petit peu fastidieux. Mais du coup, je suis descendue de taille d'aiguille et j'ai diminué le nombre de mailles sur mon premier rang pour retomber à peu près sur une taille de sous-poitrine de la taille 1. Voilà. Donc en fait, j'ai reconstitué les nouvelles instructions du modèle. Donc maintenant, si je le referais, je pense que ce que je ferais, c'est que je tricoterais la taille 1 des côtes, puis je passerais à la taille 2 sur le reste de la brassière, ce qui est ce qu'elle indique de faire si on a... cette différence entre la sous-poitrine et la poitrine. Mais voilà, et du coup maintenant ça va mieux, ça se tient bien au niveau des côtes. Et voilà, et c'est vraiment très très joli, il est hyper facile à allonger aussi, ce qui enlèverait quelques soucis de taille, parce qu'en fait, moins il y a de matière, plus il faut que ce soit... ajuster, parce que si ça baille alors qu'il n'y a pas beaucoup de matière, ben du coup ça ne couvre rien. Mais voilà, il est hyper simple à ajuster. En fait, vous pouvez tricoter, soit faire plus de côtes, soit vraiment vous tricoter cette portion-là avec la dentelle. En fait, ce que vous voyez dans le dos là, vous pouvez le tricoter aussi longtemps que vous le voulez et faire un débardeur normal en fait. Donc j'ai bien aimé le tricoter, c'était très fun, très très rapide. Il se tricote en déca. Et ouais, je suis pas mal tentée de refaire une version où, comme je vous dis, en allongeant le corps pour avoir un haut classique et pas juste une brassière. Mais je le trouve vraiment vraiment sympa. Donc on fait les bretelles et on vient les coudre ici dans le dos. Je vous conseille de, quand vous rabattez les mailles dans le dos, de les rabattre de manière très serrée, sinon ça baille. Voilà. Je vais peut-être les reprendre, je suis pas sûre de devoir les reprendre avec un crochet. En fait, j'arrive pas à voir mon dos. J'arrive pas à voir si ça baille ou pas. Mais j'ai pas l'impression, donc ça va. Mais je les ai rabattus de manière assez serrée. Mais voilà, donc c'est la brassière Leila. L-E-Y-L-I-A. Impossible à montrer comme ça, là. Mais voilà.
Donc les bretelles, vous pouvez, moi j'ai choisi de les faire croisées, vous pouvez les faire droites, auquel cas il faut les faire plus courtes. Mais voilà, donc c'est un patron qui est hyper modifiable. Donc si juste le motif de la dentelle vous plaît, mais que vous voulez pas faire une brassière, encore une fois, vous pouvez très facilement en faire un débardeur classique. Ce serait très très facile. Et moi en tout cas, j'aime beaucoup le résultat. Je l'ai tricoté avec la Sandnes Garn Duo. Donc Sandnes Garn qui est une marque, la marque suédoise ou norvégienne? Je sais plus. Qui a pas mal de qualités différentes de fil. Elle est disponible chez Laine et Tricot en ligne. Et donc la duo, c'est 55% mérino, 45% coton, je crois, ou l'inverse. Bref, c'est un mélange mérino et coton. Je suis très 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 surprise parce que au début, quand j'ai commencé à la tricoter, je trouvais qu'elle se dédoublait beaucoup. Elle se dédoublait très très facilement. Les brins sont pas forcément hyper. Il y a 1000 brins, comme c'est souvent le cas avec pas mal de fils commerciaux végétaux. Il y a énormément 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 de petits brins. Et du coup, je trouvais qu'elle se dédoublait assez facilement. Alors que moi, je suis pas quelqu'un qui. La façon dont je tricote, je ne dédouble pas très souvent des fils. Mais là, quand même, je trouvais que bon, ça se dédoublait pas mal et je devais faire un petit peu attention. Mais en fait, ça ne se voit pas. C'est-à-dire que généralement, les fils qui se dédoublent et qu'on doit reprendre de temps en temps, ensuite, sur le rendu du tricot, c'est pas très propre, c'est pas très régulier. Alors que là, c'est hyper lisse, en fait. Donc ça m'a vachement surprise. Et je trouve le résultat hyper hyper sympa. C'est très cotonneux comme toucher, mais c'est agréable. Et je trouve que ça peut être une bonne idée pour faire des pulls qui sont pas aussi chauds, puisqu'il y a quand même beaucoup de coton. Mais voilà, c'est un fil qui reste assez épais. Et si vous faites pas de motifs qui sont susceptibles de vous faire dédoubler le fil, ça peut être une bonne idée comme fil déca coton. Voilà. En fait, c'est surtout sur les côtes torses. En fait, c'est des côtes doublement torses. C'est-à-dire que c'est des mailles torses en droit, mais des mailles torses envers aussi. Donc, vous imaginez des mailles torses envers sur un fil qui se dédouble. Voilà. Mais au final, comme je vous dis, il n'y a pas de. On dirait pas, en fait, qu'il y a eu souci. J'en ai trouvé un. Ah non, en fait, c'est. J'ai pas bien rentré le fil. J'ai cru qu'on voyait des brins ici, vous voyez? Des brins que j'aurais pas récupéré, mais en fait, non, c'est que j'ai rentré le fil de ce côté-là. Pas très bien. Voilà. Je ne trouve même pas de défaut. Mais voilà. Donc, comme je vous dis, je sais pas s'il est sorti encore, je vous mettrai le lien si c'est le cas sous la vidéo. Voilà pour un petit test que j'ai fait. Et je vais passer à un en cours. Je ne peux pas vous montrer mon autre test parce que la designer préfère qu'on ne montre pas trop les photos avant la sortie. Mais c'est un haut tout en brioche. D'ailleurs, c'est un haut un peu croisé comme ça, donc c'est très très joli. Mais par contre, ce que je peux vous montrer, c'est des torsades. De la dentelle, de la mosaïque, des brassières et des torsades. Voilà. Vous vous souvenez peut-être du pull Umbrella, donc qui est un de mes modèles, qui est un pull tout en torsade que j'ai sorti en mars. Quand j'étais en train de le tricoter, je l'essayais au fur et à mesure, et notamment je l'ai essayé quand il y avait. Le corps était fini, mais j'avais juste pas mis les manches. Je trouvais ça trop joli. Et du coup, je me suis dit que j'allais faire une version sans manches de ce design. Et donc, c'est ce que je suis en train de tricoter. Et donc, j'ai chamboulé un petit peu mon planning. Au départ, c'était prévu pour cet automne-hiver. Finalement, je vais le sortir en août. Voilà. Oui, parce que je vais sortir des modèles d'automne-hiver en août, puisque comme ça, vous avez le temps de les tricoter pour la saison correspondante. Donc, vous savez que je suis incapable de me tenir à une idée
et qu'il n'était pas possible de refaire exactement le même modèle, je n'y arrivais pas. Donc j'ai décidé de changer les torsades, et en fait la construction sera sensiblement la même, je vais juste faire un bas fendu, je pense, en côte, mais je voulais avoir un panneau de torsade différent, parce que j'ai pas envie de refaire les mêmes torsades, même si elles sont très très chouettes, sur mon pull ombrella. Je vais peut-être le prendre pour vous montrer, ce sera peut-être un petit peu plus parlant. Si jamais vous ne le connaissez pas, faut que j'arrête de partir du principe que vous connaissez toute ma vie et que... Enfin, je me rends fort compte régulièrement que... comment dire? Parfois, j'ai des interactions, des échanges avec vous où je me rends compte que... En fait, il y a une incompréhension de base parce que vous savez pas quelque chose ou que moi je ne sais pas quelque chose, enfin bref, voilà. Mais souvent j'ai l'impression que je parle de certaines choses et que, en fait, si vous débarquez et que c'est votre premier épisode, bonjour, dis Mickey, de quoi elle parle, qui est cette personne? Bref, Ombrella, qui est un de mes designs sortis il y a quelques mois, en mars, et donc c'est, voilà, c'est un pull à manches montées, avec ce panneau de torsade devant, voilà, et ce panneau de torsade derrière. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embêté mon amie Déborah, donc Déborah qui est Les Petites Potions, qui est une teinturière dont j'aime énormément le travail, et il y a quelques temps, elle m'avait dit que je pouvais la harceler, et lui demander... quelques échevaux de son coloris terre brûlée que je trouve magnifique. Je crois qu'en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai passé tellement de temps à baver sur ce coloris qu'au bout d'un moment elle en a eu marre et elle m'a dit non mais vas-y mais si t'en veux tu me dis et c'est bon je te l'éteins. Voilà donc c'est son coloris terre brûlée. Donc vous avez, ça ne fait pas la mise au point mais bon bref, vous avez ici ce petit logo Les Petites Potions. Et du coup, je me suis dit, mais c'est parfait parce que c'est un peu une couleur similaire. Et donc, son coloris terre brûlée, c'est si joli. C'est un rouge chaud marron. Hyper beau. Hyper, hyper beau. C'est vraiment, j'arrive pas, c'est entre le bordeaux et le violine et le marron et le... Ouais, je sais pas, mais c'est très, 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 très beau. Donc, c'est... dans le même esprit que le coloris d'Ombrella, Ombrella que j'avais tricoté avec des laines de Slavica Yarns, qui est un teinturier polonais, que j'avais acheté il y a un moment, qui fait de très beaux coloris profonds. Donc ça c'est sa base Mokosh, donc c'est une base Merino, Yak et Soie. Et du coup bah, j'avais demandé à Déborah, bah, est-ce que tu peux me teindre terre brûlée sur de la base Deka, Yak, Merino, Yak et Soie. Et c'est ce qu'elle a très gentiment accepté de faire. Et donc, je lui ai demandé 3 échevaux. Je vais peut-être en avoir besoin que de 2. Je verrai. Mais voilà ce que ça donne. Donc, le yak, en général, comme c'est une fibre qui est assez foncée, qui a une base marron, grise, tout ça, les coloris ont vraiment une profondeur tout à fait différente. Et du coup, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire une version sans manche avec des torsades différentes. Et donc, je vais vous montrer où est mon devant. Voilà. J'ai quand même beaucoup avancé parce que j'aimerais lancer le test incessamment sous peu. Voilà ce que ça donne. Donc, il y a plein de fils. Donc voilà, donc c'est exactement la même construction. Du coup, d'ailleurs, je repasse mon patron au peigne fin et... j'ai 2-3 petites modifications, mais comme quoi, non, en l'espace de 3 mois, hein, j'ai déjà des nouveaux, comment dire, c'est des petits détails, hein, c'est des questions de typo ou de formulation qui évoluent constamment, et relire un patron que j'ai écrit et sur lequel j'ai édité et sur lequel j'ai travaillé il y a 3 mois, je vois déjà des choses à redire. Pas fini, hein. Mais voilà, donc je reprends exactement la même construction, et sauf que je mets ces torsades-ci. Donc vous avez au centre une torsade qui est un petit peu une torsade d'inspiration celtique. Des torsades toutes simples de 2. Et cette torsade-ci qui est une torsade type médaillon, c'est-à-dire que ça fait des gros cercles. Je sais pas si... voilà. Ça
fait des gros cercles avec des torsades dedans, dans la torsade, et sur les côtés, des mailles croisées. Voilà, donc ça c'est le devant de mon Marella, du coup, parce que il en faut peu hein, pour me faire rire, mais vu que ça c'est Ombrella, je me suis dit, bah si je vais faire une version sans manche, ce sera Marella, parce que ça va un petit peu ensemble. Toute excuse bidon pour justifier un nom de modèle est à prendre. Voilà, c'est comme ça ici. Donc ça c'est le devant. Comme vous voyez, j'ai déjà fait le haut, tout le haut du corps, et je suis maintenant en rond en train de tricoter le bas du corps. Donc ça c'est le devant, et sur le dos, eh bien, vous avez principalement ces grosses torsades médaillons, comme je vous le dis ici. Voilà, on voit pas grand chose. Mais si je le mets sur moi et que je me rapproche, est-ce que c'est mieux? Un petit peu. Voilà. Donc ce sont des torsades qui sont comme Ombrella, plutôt simples à faire, même plus simples qu'Ombrella, parce qu'il n'y a qu'un seul gros croisement qui est ici, hein, sur ces torsades-là. Vous voyez, là, vous croisez 12 mailles, 6 sur 6. Mais donc c'est une seule fois par répétition. Et pour ce qui est de ces torsades-ci, donc c'est des torsades toutes simples. Et pour la torsade centrale du devant, c'est que des torsades à 4 mailles. Donc c'est voilà, c'est tout simple. Et donc la particularité, c'est que les panneaux de torsades seront interchangeables. Donc voilà, quand ce patron sera disponible, il y aura une offre. Si jamais vous avez déjà Ombrella, comme ça vous n'avez pas à racheter un patron entier au prix fort. Donc on se dépatouillera, il y aura un truc. Et vous pourrez prendre les grilles de Ombrella et le mettre sur Marella et inversement. Voilà. Si vous aurez les deux patrons, vous pourrez faire exactement ce que vous voulez, puisque toute la construction sera la même et il s'agira juste de suivre les indications des rangs de torsades en mettant la grille de l'autre modèle. Voilà, donc si vous voulez un pull mais que vous préférez ces torsades-là, il n'y a pas de souci, vous suivrez les instructions de l'Ombrella et vous collerez les grilles de celui-ci. Voilà, et donc il y aura une offre, le deuxième patron sera à moitié prix, ou comme ça si vous avez les deux, vous n'avez pas à acheter les deux patrons à leur prix fort, bien évidemment. Et vous pourrez composer votre votre propre pull ou pull sans manche, puisque du coup, voilà, celui-ci va rester sans ses manches. Je pense que je vais bientôt faire l'encolure. Et je sais pas trop comment finir les manches. Au début, je voulais faire des finitions repliées, mais je me dis c'est un peu épais en fait. Et là, sous le bras, ça va pas. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas... qui n'aime pas les emmancheurs ajustés. Je déteste ça. Vraiment, quand le haut du corps est ajusté, je ne peux pas. Voilà, donc moi, je préfère, voilà, je pense que c'est assez explicite, je préfère vraiment avoir plus de matière là et avoir des emmanchures un peu plus libres. Donc, je me dis, avoir des côtes en déca repliées au niveau de l'emmanchure, ça ne va pas m'aller. Donc je pense que je vais tout simplement faire des finitions en côte là, et je verrai bien quelle forme ça prend, mais je pense que j'ai pas besoin de tant réfléchir que ça en fait, et que ça rendra très bien tel quel. Voilà. Et comme je vous dis, j'aimerais bien lancer l'appel au test. Quand vous voyez ça, je le ferai peut-être dans la semaine, parce que il faut se dépêcher. Bonjour. Non, je suis pas si en retard que ça, mais j'aimerais bien laisser quand même beaucoup de temps à mes testeurs, comme souvent. Mais voilà, donc Marella, la version sans manche de Ombrella, avec ses magnifiques torsades, très très jolies. C'est une torsade très classique, hein, celle-ci. En fait, j'ai dessiné les panneaux de torsade en même temps que ce que je designais Ombrella. Quand j'ai designé Ombrella, donc à la fin de l'année dernière, j'ai vu tout de suite que je voulais une version sans manche, comme je vous l'ai dit quand je l'avais essayé. Et du coup, j'ai tout de suite pris les torsades, ces torsades-ci, et je les avais déjà prévues. Je ne sais pas d'où je les ai trouvées. Je pense que ça doit être
dans le livre de Nora Gone, qui a un dictionnaire de pointe de torsade hyper connu, et que j'ai juste ajouté ici des mailles croisées parce que j'aimais bien. Mais cette torsade-ci, avec un esprit un peu celtique, elle est hyper, hyper courante, mais je la trouve hyper efficace en fait, et je l'aime bien associée à d'autres torsades. Autant toute seule, je trouve que ça fait un peu trop ornement, disons, parce qu'elle est vraiment très très dans tous les sens, mais associée à d'autres, je trouve que ça... Bizarrement, le fait que ça fasse encore plus chargé, ça atténue l'effet baroque, disons. Mais voilà. Pour ce projet, donc la couleur magnifique, les bases mérino, yak et soie, moi je les aime bien. C'est des fils qui ont quand même beaucoup de drapé et qui sont un peu mous, qui ont pas mal de souplesse. Mais quand c'est des versions DK, je trouve que ça se tient suffisamment. Les fils sont suffisamment ronds pour rendre bien sur des vêtements. Et c'est juste... C'est très doux, c'est très beau, le yak, moi j'aime beaucoup. Voilà. Et c'est tout. Et je pense que j'ai parlé de tout. et que cet épisode est trop long. Voilà, donc ce sur quoi je suis en train de travailler en ce moment, entre autres. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas, si vous voulez jeter un œil à mes modèles, si vous avez envie d'acheter un patron en ce moment, eh bien jusqu'à mardi prochain le 8, vous avez moins 29% sur tous mes patrons auto-publiés sur Ravelry. Et voilà, je vous mets toutes les infos en description comme d'habitude. Je vous souhaite un très bon mois de juin. Et pour ceux qui restent, je voulais aussi vous parler de Patreon, puisque donc c'est un nouveau mois. Et sur ma page Patreon, ce mois-ci, j'ai une thématique spéciale test. Donc si vous ne savez pas, j'ai une page Patreon sur laquelle vous pouvez me soutenir et vous pouvez avoir accès à des vidéos de discussions techniques sur des laines, sur différentes choses, sur les coulisses du travail du designer aussi. Et c'est accessible à partir du niveau 2, donc c'est 5 euros par mois. Il n'y a pas d'engagement sur Patreon, vous venez, vous partez, etc., etc. Et ce mois-ci, j'ai préparé une vidéo où je vous ai pris, j'ai fait un vlog coulisses de suivi de test, en fait. Donc pendant que j'étais en train de gérer le test knit d'un de mes modèles, je vous ai pris à chaque fois pour vous parler des petites anecdotes, de ce qui se passait, pour vous présenter un petit peu ma façon de procéder sur les tests. J'avais également demandé à mes patronnettes et patronnets des questions qu'ils avaient par rapport au test, qu'est-ce qu'ils, comment dire, le rapport qu'ils avaient au test et éventuellement ce qui les empêchait de postuler ou ce genre de choses. Et du coup, j'ai fait également un article où j'ai répondu un petit peu à ces thématiques. Donc c'est un gros pavé de texte où j'explique un petit peu mieux mon processus de test. Parce que la vidéo est plus un vlog, donc c'est un peu brouillon, disons. Mais voilà, ça vous montre un petit peu les coulisses. Et si vous voulez quelque chose de plus organisé, j'ai rédigé un article sur Patreon où je vous parle de mon processus de test, de ce que moi j'attends personnellement parmi les tests, pendant les tests. Et ce que je recherche chez mes testeurs, etc. Donc c'est la thématique du mois de juin sur Patreon. Quand vous rejoignez sur Patreon, vous avez également accès à un ou deux patrons au choix par mois. Donc vous choisissez le patron que vous souhaitez prendre. C'est parmi tous mes modèles qui sont disponibles auto-publiés sur Ravelry. Donc voilà. Si vous voulez nous rejoindre sur Patreon, si la thématique vous intéresse, je serai ravie de vous y accueillir. Vous avez accès à tout le contenu de l'année et demie passée, presque deux, presque 2 ans. Donc voilà, il y a plein plein de choses à y regarder. Et
Et je remercie mille fois les gens qui sont venus juste jeter un coup d'œil, ceux qui sont restés quelques temps, ceux qui viennent de temps en temps. J'ai remarqué que certaines personnes venaient de temps en temps pour prendre un patron qui les intéressait. Et c'est exactement comme ça que je vois Patreon. C'est voilà, vous allez et vous venez quand vous avez envie de soutenir un designer. Il ne faut pas hésiter à regarder s'il est sur Patreon aussi. Merci beaucoup, encore une fois, d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut !